Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti, ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pau Foucault. La police nationale prend go disposition dans dernier moment là pour stopper toutes les kidnapping et insécurité qui a ravagé pays. C'est pour tout bon. La police décide mettre tout bandit dans dépôt. CCE, BRI, BOIT, BLTS, c'est ensemble de unités sayo qui débarquent dans Canaran 50 al mettre l'ordre dans des ordres et libérer des moun yo te mette en otage. Zafè bandi fin kidnapper moun pour yon demander gros somme l'argent, eh bien, récréation ça fini. La police vient avec des nouveaux stratégies qui pral permettre yon ramasser tout bandit mette dans dépôt. Dans l'opération ça, ils ont mené dans Canaran 50 ans. Divers bandits, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, frappés. Parmi eux, il y a une qui boit de l'eau bouche. Je vais l'expliquer. Eh bien, vle ou pas, président Jovenel Moïse toujours kebe même décision pour référendum nan, qui prévoit fête dans date cap 27 juin 2021 là. Selon Premier ministre Claude Joseph, des sondages faits, eh bien, 86 à 87% population a d'accord pour que gagne une nouvelle constitution. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rale ti chèz ba ou chita confortablement. M'bral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là, pour pas rater aucune vidéo. C'est amis par Foucault. Hier matin, nous t'ai chance de présenter un petit compte ça qui c'était, maman m'gè des petites, quand on voit une, faut qu'on voit l'autre là. Eh bien, réponse c'est l'huile masquetti avec l'huile mangée. Donc, grand monde yo toujours gen de l'huile sa yo, yon pa jam déplacer quitter l'autre. Nous faut compte nous gen mesdames, mademoiselles et messieurs, papa m gen yon kivette. Li boté de l'eau tout temps a mettre la dedans, eh bien, li pa jam ka plein. Pas hésiter quitter élément de réponse pour la dans commentaire là, ça a fait nous plaisir en pile en pile. Qui ça la police pral faire pour combattre insécurité? Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou doit connaître sous chaque 2000 haïtiens gen yon policier qui pour sécuriser là nous bagay la pas aussi facile pour travail ça fait c'est nous toutes qui pour mettre main pour qui ça est-ce que yon green policier ka protéger 2000 moun donc nous capable bagay ça li vraiment impossible m capable dit d'après réflexion pam sans population pas ka gen sécurité tout bon vrai eh bien comme si proverbe créole l'a dit, plutôt me prend temps en route, mais moi porter bonne nouvelle. Ça fait longtemps la police a annoncé, la rassembler toute force li, mettre bon gens plan sous pied pour marrer tout bandit. Eh bien, mais comment opération dans Canaran 50 l'an te déroulé. Diverses unités dans la police là, tankou, BOIT, BLTS, BRI, CCE te mobilisé pour craser base ça et mettre tout bandi yo dans dépôt. Entendez déclaration DGPNH là sous opération ça. Pour arriver dans sous question directe qui est posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération docteur et petite qui était nommé des bandits. L'opération fut faite heureusement première intervention, première action par parents, c'est informer la police. La police commence à travailler avec parents. À partir du travail, nous pouvons identifier côté. Alors, bandit on fait Zakla et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. Canaran 50, c'est la défaite. Les unités de la BCPJ, Boy et l'autre unité de la police, nous montons opération. Heureusement, nous libérons les gens, sains et saufs, nous saisissons en fusil automatique. Il y en a un échange avec la police qui est tombé, l'autre est en cavale et la police a pu chercher l'activement. Pour continuer à traquer bandits, la police mettait trois nouvelles stratégies sous pied. Qui c'est? Prévention. Yo augmente nos policiers dans toute zone et presque dans chaque station, des plusieurs policiers nous capables remarquer cap fait patrouille qui sous poste. Ils ont renforcé capacité opérationnelle. Donc, ils ont fait des demandes ensemble avec le gouvernement. Grâce soit rendu à Dieu, eh bien, ils ont venu avec des nouveaux matériels technologiques avancés pour capable monter opération qui pourra le faire, capable de détecter tout côté bandit. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire quantité de cas dans les passages pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping, appauvri et créer un pile de problèmes dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur trois niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cas de prévention, nous augmenter la présence de la police à travers nos patrouilles mobiles et points fixes dans la zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de la capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là d'engins lourds parce que les cas faut pour faire pénétration dans une zone qui est accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, gagner des opérations, peut-être que la police n'a pas mené nos recours de haut, mais il y a des informations qui collectées, qui traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing à des gens qui malheureusement qui étaient enlevés, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour continuer, sous affaire police qui impliquée dans actes malhonnêtes, DGPNH l'a déclaré, c'est pas celle en Haïti des policiers qui corrompus, puisque dans le dernier moment là, mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a un incident qui passait pendant que nèg yo pral font kidnapping et puis sortant de là, d'après ça moun qui était dans zone dit, eh bien les machines ouvert au fusil des policiers, des chauffeurs moto et yo ouais c'était un BOIT qui la cause mauvais acte ça. Eh bien DGPNH l'a dit, yo travaille sur ça pour détecter tout mauvais grain qui dans la police là et faire au payer pour ça que yo fait. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, dans font précision. Un individu qui a un uniforme, qui va commettre un crime, on ne peut pas dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a pile cas, il y a des gens qui côté uniforme de la police pour nous faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, il admet, en tant que droit, même dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent de faire acte malhonnête. Mais dans tout cas, ça nous ne pouvons pas dire c'est policier. Mais si lui nous reconnaître qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale, la police, l'inspection générale, ils l'ont appelé. Donc, pas mesure nécessaire pour nous, tant de policiers à l'inspection générale, pour un dossier de la BCPJ, pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cadre avéré, puisque les policiers en uniforme, que l'identifier, qui a une affectation et qui a l'activité d'un service. Pour qu'un boy qui t'a impliqué dans l'échange du moins d'un tir qui t'a gagné sur la lutte hier, m'a profité pour dire toute population que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler de proposer le 122. Et la police là travaille avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons une responsabilité pour investiguer chaque cas. Et là, le fait, première réaction, c'est bloquer la route. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a des pour obligation monde qui a bloqué là, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sac dans la rue, pendant que vous l'école, vous ne travaillez, la police là, et la police l'autre. Et même si pour ou contre l'activité de la police là, il faut mettre dans le mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sortit à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation d'assurer que route de sécurité là pour tourner la caille. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment les tirs qui fait des mondes, les citoyens paisibles quand même. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a fait ça pour faire. Dans ça qui gen pour awe ak assassinat Gerbi Jeffra, yon ancien policier et qui était délégué SPNH 17 là, que yon assassiné, DGPNH la clé, quand elle déclare jusqu'à présent, yon poko ka ba yon explication sous assassinat ça. Mais la police a travaillé mène gros enquête pour connaître qui est-ce qui la cause crime si là. Concernant le cas de Gerbi Jeffra, voilà. Nous apprenons déjà tout le monde que l'élément ça, le tas assassiné et les photos qui paraissent dans la presse, la police vient des photos. Mais jusqu'à présent, nous avons couvert le cadavre. La police judiciaire a fait la tête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer si il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour cas sous le cas ça. N'a pas quitté dossier la police, n'a pas attaqué dossier gouvernement. Dans même conférence ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, Premier ministre là, Claude Joseph déclaré à partir des semaines qui viennent là, eh bien, diverses mesures pral commencer à appliquer dans ça qui gen pour avoir ak référendum et puis élection pour capable de transfert à un l'autre président qui élit automatique dans élection. Dans feuille de route li a li gen un message qui clair qui c'est sécurité, sécurité, sécurité. Ça veut dire sa président Bali comme mission eh bien, c'est lui qui préoccupe ce travail ça li a fait. Pour continuer, nouveau PM nan déclaré, nan moment là, gayon paix bleu kay bandi yo parce que yo a rivé sou yo puisque gen diverses mesures ak bon jan stratégie yo mette sous pied pour capable éradiquer tout bandi en dedans pays. Pour gouvernement qui va venir avec un premier ministre définitif pour assurer continuité l'État particulièrement dans deux grands chantiers qui cher et à préciser, mais particulièrement qui est important pour la démocratie. C'est le référendum constitutionnel là et c'est l'élection pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement au 7 février 2022, qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, il était moins expliqué rapide. Que on a un feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité, sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, moi, comme feuille de route pour moi travailler sur. C'est ça que fait, depuis moi, on était comme premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé par moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans. On est capable de dire une qui sont CSPN élargies avec le secteur privé qui est un pile monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, il y a un ensemble de dispositions qui est déjà pas. Il y a un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consentis. Après le premier CSPN, pour un pile monde là, tu capable de constater, moi, prends la rue, moi, déplacé à dans différents commissariats, moi visité une unité spécialisée dans le PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, moral policier était en BRI. C'était une façon pour moi-même de remonter moral policier. Ensuite, nous déplacé, visiter différents checkpoints dans la souhait, certainement avec au état-major de la police. Encore une autre fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble, pour nous capables de résoudre le problème d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons. Par exemple, nous déposons conteneur Martissan, nous avons visité, comme je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget de la police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes nous apprenons comme Premier ministre pour un petit coup de temps. Parce que je dis à les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, il pardonne, pardonne. Qui te félicite rapidement opération qui fait hier soir là, par différentes unités de PNH là pour laguer deux mondes qui kidnappent. Donc je dis à les fondamentales, les important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, les abdomen. C'est vrai qu'il y a une insatisfaction et notre travail effectivement pour nous adresser les préoccupations. Et en pile préoccupation, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question de l'insécurité. Mais je dis à gagner une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, nous choisissons par exemple barrer route, etc. Moi, je ne crois pas que ça aide la police. Au contraire, il faut que nous relions le numéro que nous connaissons, 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort à les gens qui sont kidnappés. Donc, je dis à, et moi, je nous garantis qu'il y a effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping, attaquer les bandits dans le dernier retranchement que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit nous c'est que la police a travaillé, moi-même ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça déjà l'exprimer volonté nous pour nous et adresser le problème d'insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle légale. Les gains ont une dimension politique. On va comprendre coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les nopales tombés le 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société, qui de monde qui n'est pas prêt pour engager la bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, nous ne connaissons pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre le pouvoir, parce que c'est ça besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, est fondamental. En 27 février, un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposer au niveau police nationale, là, au niveau CSPN, là, de projets d'intelligence et notre travail, notre privé, certainement, sous monde qui ont même utilisé le kidnapping comme arme pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire le président démissionner, soit un an avant la fin de son mandat. Donc, ça est fondamental pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, que je fais là, il a lancé le dialogue là, parce que pour le président de la République, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Il y a un pile de monde, déjà acteurs politiques ou bien protagonistes, qui mettaient d'accord sous le principe du dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui, pour assurer continuité, deux chantiers, ça nous sommes parlé là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour être capable de renouveler le personnel politique. Dans ça qui vient pour Awe avec référendum, Premier ministre Claude Joseph déclaré Référendum nan c'est un acte de souveraineté. Ça c'est affaire haïtien. C'est au cap décider oui ou non si vous voulez référendum nan. Affaire département d'état dit le pape financier, ça c'est affaire Gadel. Il pas haïtien et nous haïtien. Eh bien, yon gen tan organisé des sondages de manière différente et résultat yo dit clair que premier sondage là plus passé 86% population en vle l'autre constitution, ça c'est youn. Gen yon l'autre qui organisé par une organisation anti-gouvernementale qui relè Haïti nouvle ya. Sondage ça dit 87% population lui-même livre une nouvelle constitution. Un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, on est capable de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a 3 sondages qui sont réalisés par 2 firmes différentes. Il y a une hybride qui ont expertise dans la question de réaliser sondage. Ils réalisé 2 sondages. Et résultat, 2 sondages, ils ont dit clair que plus que 85% de la population voulait une autre constitution. Il y a une autre thématique que vous abordez effectivement, mais qui était moins dit ça et 2 sondages. Maintenant, il y a l'autre sondage qui est réalisé par. Bon, il faut me dire que dans 2 premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que plus que tas d'échantillons qui est vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, mon deuxième sondage qui est réalisé par une organisation antigouvernementale qui relève Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit que 87% population livrée ont leur constitution. Donc, c'est population qui m'ont dit ont leur constitution. Ce n'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimait de la part de nos amis de la communauté internationale, bien là d'ailleurs qui est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons au comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là et comment pour nous adresser. Effectivement, un référendum doit un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une fois. Président, lit initier, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui va gagner avec notre pays un premier ministre définitif pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans 2 grands chantiers sahel. Référendum constitutionnel et élection. Merci. Hervé, nous avons travaillé pour Radio Télévisquéa et merci pour le ministre. Donc, questionnement c'est il y a un rapport avec l'annonce du gouvernement fait la planification et dialogue avec la classe politique, là, mais nous, parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'en pile, nous avons fait et kidnapping, ou bien kidnapping, motivé politiquement, et nous dit clairement c'est des gens qui parlent avec le gouvernement, que le président Jovenel Moïse, fondamental, et parallèlement, nous annonçons que c'est avec le monde, ça, on a fait le dialogue, on a retirer un petit peu pour traduction ça dans le tête. Et nous plus d'explications à ce qui concerne et comment nous parlons avancer dans ça parallèlement et que et nous-mêmes acteurs ça nous identifier qui par les Jovenel Moïse continental par les politiquement motivés qui sont kidnappés. La deuxième question c'est pour dire que général la police là en ce qui concerne les préoccupations plusieurs mondiales en ce qui concerne et la police qui a des policiers qui ont impliqué la question des actes de kidnapping et il y a un incident qui passait là lui nous que et agent BOIT est tiré sous et assassiné de des citoyens, disons de motocyclistes, vous n'avez que le directeur général de la police là. Est-ce que le parti est occupé par rapport avec toutes les annonces, toutes les nouvelles qui a dit que les policiers ont clairement identifié qui est impliqué dans la question de la police? Merci. Bon, merci. Écoutez, moi je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier dans la déclaration du président. Sous question motivation politique qui vient à kidnapping. Je ne pas qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas que, eh bien, un bon matin, il y a une série de gens qui ont kidnappé, qui n'ont pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même, lui mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping et malheureusement il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui cible qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça qui est important, je dis, dans la classe politique là, même dans le gouvernement, il y a un pile petit Joseph, petit Moïse, petit Pierre, petit Jacques. Il faut que tout ça chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour eux lier. Nous faut yo transcender dans le sens que faut que pas quitter des mains cap mener yo qui pour imposer yo chita avec Tim Moïse qui semble même Jacques pour nous joindre un dénouement avec lui. Dans ce cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui ça département d'état pral dit et ceci si Jovenel arrive réaliser référendum ça normalement tout bagaille passé OK. Pas caché d'où, bagay yo pas facile même dans mes oppositions, comme yo déclaré, donc pral gen entente, et on samedi là on dé pardonné, bah là comment se virer là, parce que mesdames, mademoiselles et messieurs, pour ça pral gen nan jour là dans pays, c'est pas ti bagay ka piti même non? Hadje, ça veut dire nous tendons un message premier ministre là déclaré eh bien moun k'ap fait kidnapping non c'est pas lui just fait mais gon tête pensant gen moun k'ap penser qui gens que organisation kidnapping nan ta supposé marcher eh bien quand même pas que sop fait dans la vie depuis c'est bagay mal pour pas joindre récompense leur fait bien toujours une bon bagay mais depuis c'est mal eh bien jour pour jour y a me déposer la patte sous quand même donc nous espérer gen bon Jean Messi qui prend pour finir avec dossier insécurité ça et pour payer à lui-même retourner dans normal pour que nous capables circuler en toute liberté. L'autre information qui est très importante. Après Yves Jamba et eh bien FIFA te mettait sous côté dans affaire football pour causer immoralité sexuelle, c'est tout pas Nela Joseph qui se supervisait mesdames joueuses sélection haïtienne football là dans ranch quoi des bouquets. FIFA ta joine que madame ça c'est complice ancien président fédération football là Dadou Jamba dans activité grand monde déréglé ou quoi c'est cause gondo oh l'Éternel Dieu mon Seigneur Eh bien yo monte moun descend moun nan ranch nan yo accusé né là comme moun qui pas protéger jeune ti joueuse sa yo qui te sous contrôle li qui te pito yon moun qui t'a forcé ti mesdames yo couché ak dadou. Selon rapport, pour sa FIFA Bali, yon sanction de 10 ans pour li pas mette piel nan cause football ni nan niveau national ak tout international. Madame Nange pour payer FIFA tout yon amende de 20 000 francs pays la Suisse. C'est pas ti bagay qui vit si. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ti mesdames yote pour nous complot organisé. Il y a une maman joueuse dans la sélection qui mourit, donc ce matin, la nouvelle, ça arrive joindre nous. Eh bien, c'est maman gardienne, eh bien, sélection. Demoiselle, nous connaissons gardienne, elle est Marceline Fleurio, et maman, elle est Madlina Fleurio, eh bien, maman, joindre dans mort suite avec un petit malaise, il a gagné dans la ville Léogane, rapidement, il a couru ensemble avec l'hôpital, mais malheureusement, il n'est pas retourné dans normal. Maman Marceline, qui seulement 38 l'année, elle a gagné 4 simounes. C'est Marceline qui est grand, il gagne 17 l'année. Donc, en ce sens, prend responsabilité tout si moun sa yo. C'est pas aussi facile. Moi, pense toute population, toute fanatique, a porté support moral, ensemble avec jouez ça, pour faire quoi que la vie a donc des ou des bas. Nous fêtes, nous vivons, nous mourir, mais de façon, moun kito, bagay la kon vraiment triste. Mais quand même, et faut que nous bali bon gens, modéré confort pour que li capable remonter moral là. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compter tout ça qui a passé en Haïti, ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizaire qui content accueillir nous pour l'autre édition Rendez-vous Info. Yon actualité cap focus entre autres sur les États-Unis avec Haïti. Actualité, ça mène nous d'abord dans le pays d'Haïti pour nous parler de insécurité, pour nous parler de kidnapping. Premier ministre Claude Joseph, qui est président du CSPN, Conseil supérieur pouvoir et police nationale Lapito, rencontré avec la presse pour informer pays que l'État prend toute disposition pour mettre fin à un phénomène insécurité à kidnapping d'auteur. Claude Joseph. Par exemple, nous avons posé conteneur Martissan, nous avons visité, bon, je dis ça tout à l'heure, et nous avons travaillé pour nous augmenter le budget et la police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis à les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, les pas d'homme, pas d'homme. Qui te féliciter rapidement opération qui fait hier soir là par différentes unités dans PNH là pour laguer deux monde qui kidnappé. Donc je dis à les fondamentales, les important pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pap domi. C'est vrai gagner insatisfaction et nous travaillons effectivement pour nous adresser préoccupations yo qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à question insécurité. Mais je dis à gagner une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, eh ben nous choisissons par exemple barrer route, etc. Moi, pas quoi que ça aide la police là. Au contraire, faut que nous relier dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne peut pas résoudre le problème. Au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort tout à les gens kidnappés. Donc, je dis à, et moi, nous garantis, gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croiser kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement, que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit, c'est que la police là travaille, moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réalisons déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous, pour nous et, adresser problème insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement en dimension criminelle, les gains. Les gains en dimension politique, tout. Docteur Claude Joseph, ministre et Premier ministre AI et président CSPN, Conseil supérieur police nationale. Là, dans la même rencontre avec la presse, il y a un directeur général police nationale, là, et Léon Charles. Il y a une explication sur l'opération de la police menée dans la zone Canaan 50 qui débouchait avec libération de otages et Premier ministre a fait mention de ça en tant que directeur général police nationale là, AI bien sûr, Léon Charles. Première action par là, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par là. À partir du travail, nous faisons identifier côté, alors, bandit fait Zagla et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. Canaan 50, c'est la défaite, les unités de la BCPJ, BOIT et l'autre unité de la police, nous montons l'opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sain et sauf, nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police. Il est tombé, l'autre est en cavale et la police a beaucoup cherché l'activant. La police a agi sur 3 niveaux. Prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement des capacités opérationnelles, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là, danger lourd, parce que des cas, il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de nous rapprocher de lieux de séquestration. Et en matière de répression, gagner des opérations, peut-être que la police n'a pas pété, nous recourons de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction du renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer l'otage, faire filature sous bandit, compiler l'information, faire interview, debriefing à moun qui malheureusement qui était enlevé, BCPJ rencontré avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Directeur général AI PNH là, Léon Charles, t'es tout profité, annoncé une enquête sous 4 délégués SPNH 17 là, Gerbi Geffrard, la police t'a cherché pour soi-disant relation t'a gagné à groupe policier Fantôme 509. Yo, toujours dans le domaine insécurité, a, leader AAA, Haïti en action, ancien sénateur Yuri Latortue, qui fait partie de l'opposition radicale, là, t'es rencontré avec la presse après la mort d'un membre n'a pas il. C'est pas ça qu'a fait nous camper dans Haïti en action. C'est pas ça qu'a fait nous camper dans l'opposition. Nous avons continué à dire vérité, et nous avons continué à dire mandat Jovenel fini depuis 7 février. 7 février 2021. Nous avons continué à dire ça. Et dans Haïti en action, nous avons continué à faire programme business là avec jeunes, avec femmes. Et nous avons bien. Que ce soit femmes qui sont sorties en bas à la ville au Cap, femmes qui sont sorties dans la moto, femmes qui sont sorties dans la savane, au Caille, dans Solino, dans la saline, nous allons continuer le programme. Côté que ce n'est pas 1000 personnes dans le mais nous avons un business, nous avons un produit que nous faisons faire pour que vous-même, vous ne soyez pas obligés à demander et vous ayez autonomie. Le programme ça nous fait, c'est parce que nous voulons montrer. Nous voulons montrer. Dans le pays, ça, Haïti, c'est dignité. Et l'État, ça, qui nous met nous dans l'intimité, nous parlons. Donc, l'effort que nous avons fait avec les jeunes, avec les femmes, nous avons continué à faire. Même si type n'en va là. Nous avons fait au nom. Nous avons profité des années condoléances à Patrick Monto qui n'est pas parti là. À maman qui n'est pas là, qui est en France. Avec seul Estella qui est actuellement au Boston. C'était dans la famille trois petits. Il y a deux cas là. Il y a un cas de force majeure de la monarchie. Mais il y a un assassinat politique. Côté petit blanc, il a dit posé, mais il a dit la vérité. Il a dit la vérité, on le symbolise au préfet Ménichli, il y aura deux cas là. Ancien sénateur Yuri Latortue, ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. On va suivre rendez-vous info, toujours concernant la crise dans le pays d'Haïti, dans un discours pré-enregistré dans la conférence conseil américain. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken mentionné non Haïti, côté il dit, pour soutenir la démocratie, il faut organiser élections libres et équitables et demander l'autre pour faire même pareillement. Il dit tout, on nous fait voir, nous fait yon seul pour exhorter le gouvernement haïtien à organiser élections libres et honnêtes d'ici fin année. Donc c'est une déclaration secrétaire d'État américain Anthony Blinken et côté que le mandé tout les pays sous continent américain pour faire voir yon fait yon seul pour demander gouvernement pays d'Haïti pour organiser élections d'ici fin année. Pendant ce temps, l'organisation État américain, OEA, apparaît pour envoyer une mission en Haïti pour faciliter le dialogue entre divers acteurs qui sont impliqués dans la crise haïtienne. Ambassadeur pays d'Haïti dans Washington et Bokshi Edmond, qui est tout représentant AI pays d'Haïti dans OEA, apporter précision sous commission. C'est une résolution qui était du Conseil permanent de l'OEA, qui a été votée le 17 mars 2021. C'était pour offrir le Conseil permanent de souhaiter offrir ses bons offices aux différents acteurs de la crise politique en Haïti. Mais comme l'OEA travaille avec les gouvernements, je souhaitais que le gouvernement invite eux, et ce qui a été fait. Et mais nous connaissons une délégation de ça qui est pour entrer en Haïti, pour rencontrer avec tous les acteurs, et non seulement les autorités gouvernementales, mais la rencontrer avec tous les acteurs qui sont impliqués, et les partis politiques, les membres de la société civile, et j'en passe. Je pense que là, on probablement une dernière opportunité, parce que je pense que l'île est pour nous-mêmes haïtiens, nous cachons ensemble, nous résoudre le problème. Il n'est pas nécessairement forcé un étranger pour venir aider nous. Chita, mettez-nous chita ensemble, mettez-nous chita pour nous parler. Je pense que nous avons décidé nous-mêmes entre Haïtiens. Et certes, la mission ça va rentrer, la ville encourager les acteurs pour dialoguer, mais nous espérons que les acteurs et nous tous qui dans la politique en Haïti, nous avons conscience pour nous aller nécessaire pour nos chita. Et chita, ça, quand nous le faisons tout le temps, et pas nécessairement une seule fois, mais quand nous le faisons tout le temps. Qui sont peut espérer dans la mission comme ça, alors qu'on est un secteur dans l'opposition qui se lève dur et qui lui-même n'est pas d'accord chita avec le président Jovenel Moïse, tant qu'on le dit plusieurs fois, qui ça nous espérer dans la mission comme ça? Bon, écoutez, je pense que dans toute société, on ne peut pas jamais joindre tout le monde d'accord sur le même bagage. Il y a toujours des gens qui cassent le train, qui parlent de chita. Il y a toujours des gens qui au moins croient que grande possibilité de dialogue, grande possibilité pour nous chuter ensemble, pour nous discuter ensemble. Parce que Haïti, c'est pour nous. Nous tous, c'est Haïtiens. Nous ne sommes pas d'accord sur un barrage qui fait nous pas d'accord, mais nous sommes un barrage quand même qui fait nous d'accord. Un point de commun quand même qui fait nous chuter ensemble. Et bien, je pense que c'est droit au monde pour le chuter avec le président Moïse. Mais en fin de compte, est-ce que tout le monde a un devoir tout pour le pays, pour chuter avec un monde qui n'est pas d'accord avec lui? C'est parce que le fait que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas ennemis pour ça. Nous avons une différence, nous ne sommes pas d'accord sur une question, mais nous étions haïtiens. C'était l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Cap Joël Tour, représentant AI Haïti. Auprès de l'OEA, nous avons rencontré Avel, nous avons parlé Avel en marge de cérémonie ça, qui était faite pour Miss Haïti et Eden Bérandouave, qui lui-même va représenter Haïti. 15 mai, Cap Vinla, nous avons retourné sous et point ça encore autour sous la voie de l'Amérique. Nous permettre depuis Washington d'ici qu'on y a un moment arrivé pour accueillir invité spécial non qui c'est professeur Clarence Renois, journaliste et lycée leader Union nationale pour intégrité et réconciliation. Clarence Renois et bon retour à la maison. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir pour me parler avec vous sur la voie de l'Amérique même si le mot tourné à la maison, il y a un pile qui change. Voilà. Merci. M'imaginez que c'est un compliment. Merci. Absolument. Merci, Clarence Renoir. Dans l'actualité politique là, et dans le pays d'Haïti, tout le monde a parlé de dialogue. Le gouvernement a parlé de dialogue. Et le président dit longe men bay frère, bien que il dit que le bail tap soumet quand même. Opposition tout a parlé de dialogue, bien que dit pap chita président Jovenel Moïse. Et nous-mêmes, dans UNIR, nous toujours gagnons dialogue de réconciliation. Dis-nous, qui est un dialogue pour la écrit et Clarence Renoir? Bon, il écrit et il fait même avec tout dialogue de fait. Et UNIR, par exemple, Bouquet, rappeler que nous vivons dans la même société, nous faisons face à même problème. Donc, il faut que nous chita nous parler. Évidemment, nous comprenons des gens qui ont réticence et pour chita parler avec le gouvernement. Parce qu'en pile fois, ils ont pensé, et c'est vrai, que le président Pakembe promesse, le président Oulé Mouna Farine, on joue le deal, le dialogue là demain matin, prend des mesures qui montrent le pavlil. Mais il est clair que Jodia, son pays qui est bloqué. Jodia, son pays et société, et capable de dire corps social, tout divisé. Nous avons besoin de chita ensemble pour nous garder des problèmes à eux et pour nous capables de porter des solutions à eux-mêmes. Alors, nous-mêmes, dans le dialogue, nous disons qu'il y a deux étapes. Bon, crise politique-là, on peut arriver vers des élections honnêtes, libres, démocratiques et sécurisées, et un dialogue national pour nous poser problème fondamental de la société. Parce que Jacqueline Belizaire, nous avons une société qui est bloquée depuis 200 ans. 217 ans d'indépendance que nous avons. La société haïtienne n'a pas fait progrès. L'histoire a répété chaque fois. Donc, pour nous parler tout maintenant, même bagage ça encore, nous pensons que la société a un gros chita lui doit faire avec tout petit pays, toute force organisée, tout secteur, que ça qui est dans le pays, que ça qui est dehors, que ça qui est dans la campagne, que ça qui est dans la ville, jeunes, femmes, il faut nous chita pour nous garder qui problème pays nous. Il y a un grand auteur haïtien qui a dit quels sont les maux de nos malheurs. Donc, il faut nous poser problème ça, pour chercher solution ensemble. Mais pour le moment, nous avons besoin d'un dialogue pressé pour nous créer les conditions nécessaires de sécurité et d'un accord politique pour nous aller à l'élection, pour qu'il y ait des élus légitimes et constitutionnels qui prennent direction pays. Et Clarence, autant des commissions, organisations États américains qui viennent pour entrer en Haïti, le gouvernement dit le pari pour accueillir. Et ça, il y a fait, c'est faciliter le dialogue entre les protagonistes. Qui lecture que l'Union fait de la commission ça? Moi, je dis c'est dommage. Haïti, c'est membre OEA, c'est normal pour OEA, il y a une relation avec Haïti, il y a des rapports avec les organisations hémisphériques. Cependant, dans le pays, il y a des institutions, il y a des personnalités qui sont capables d'organiser le dialogue. Nous n'avons pas besoin forcément de étrangers qui vont nous résoudre pour nous des problèmes que nous-mêmes encore nous créons dans notre propre pays. Nous. Donc, nous-mêmes dans l'Union, nous avons toujours fait appel à acteurs politiques pour nous dire qu'il faut dépasser. Ça aurait ici le dépassement de soi pour nous soutenir dans l'intérêt personnel ou bien dans la haine que nous avons bien contre le monde pour nous dire nous ne pas parler avec un tel pour parler avec vous, il faut mettre clé en bas pour aller en pénitencier. Nous-mêmes, nous pensons qu'un monde civilisé, un acteur politique qui raisonne, qui pas dans passion mais qui dans raison, il faut que nous capions ensemble nous parler à quel que soit le monde pour bien payer nous en Haïti. Moi, ce deal-là, c'est un pays qui est crasé, l'économie n'a pas avancé, nous n'avons pas de croissance, nous avons une population qui a 12 millions d'habitants. Il faut que nous jouions une stabilité politique pour nous commencer à créer un emploi dans le pays, pour nous mettre des jeunes garçons et des jeunes femmes dans le travail, pour nous retirer les âmes dans la main. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas de complexe parler avec quel que soit le monde depuis ces paroles pays d'Haïti à résoudre, mais pour nous éviter tout, ce n'est pas l'étranger qui vient prendre des décisions dans la place. Et quand nous avons des critiques que vous faites contre UNIR, principalement leader, quand vous dites que vous rencontrez avec le président Jovenel Moïse déjà, t'as semblé que ça n'a pas de résultat escompté et qu'on y a parlé encore de dialogue avec le président Jovenel Moïse. Qui sont répondre à ça? Nous répondons que nous sommes démocrates. Un démocrate, leur fait appel à lui-même pour le dialogue, il faut toujours dire que ce côté prêt. Parce que démocratie pas faite dans tirer coup de zam. Démocratie faite dans dialogue. Oui, président pas montré que il y a volonté pour le faire dialogue. Président montrer que nous jour dit oui, on jour dit non, moi je dis déjà. Mais encore une fois m'a dit pour bien pays d'Haïti, m'obliger marcher devant porte la Kaili, m'obliger rencontrer chaque fois que ça nécessaire. Moi pas rencontrer parce que m'a chercher un job, moi pas rencontrer parce que le promet mon job, mais m'a rencontrer pour me discuter comment pour nous sortir dans crise ça. Comment nous devons continuer à tolérer dans le pays que y a une gang qui fait fédéré, qui fait ça, qui kidnappe les gens matin, midi et soir, qui mette la police noire en déroute. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que le pays a dirigé sans élus, sans gens qui gagnent représentation légitime. Je dis à ces agents municipaux, agents intérimaires, c'est-à-dire ces gens présidents pour compte lui. Nous ne pouvons pas continuer quitter le pays dans mon seul nez cap diriger le bas décret. Donc, il faut que nous cherchions solution à problème ça. S'il faut que nous rencontrions ensemble, il faut que nous rencontrions femmes pour garçons, toutes parties politiques à président pour nous dire les quatre vérités, pour nous dire qu'il n'y a pas qu'à continuer à rester sous pouvoir dans les conditions ça. Il faut que créer les conditions, puisque c'est lui-même qui n'a pas l'air, pour créer les conditions nécessaires pour que nous organisions des élections dans la sécurité des élections, dans la crédibilité pour un conseil électoral qui joigne dans un accord politique pour que nous soyons capables de recréer la démocratie, remettre la démocratie à camper sous trois pieds que les besoins, un exécutif légitime et constitutionnel, un parlement qui est élu, Sénat et Chambre des députés, et on la justice qui va continuer à fonctionner pour le bail de la justice, pour nous craser règne impunité qui est dans le pays. Et M. Renoir, en termes d'agenda et de perspective, ça prend un paquet de temps pour mettre un conseil, pour cadrer le conseil électoral provisoire avec toute salle de bancal et autres qui ne peuvent pas même prêter serment devant les cours de cassation. Donc ça prend un temps pour faire toute bagaille. Est-ce qu'on pense que la bagaille a fini en 20 années selon sa communauté internationale. Et nous sommes des secrétaires d'État américains. Anthony Blinken se dit que d'ici fin année, pour organiser l'élection. En réalité, Jacqueline Belizaire, nous n'avons pas besoin de secrétaire d'État américain dit nous, pour gagner l'élection faite dans le pays d'ici fin année. C'est un devoir. son responsabilité président Jovenel Moïse gagne pour créer conditions pour ça fait. Maintenant, conditions ça a créé quand on dit, il faut qu'on ait un accord politique qui joigne. Oui, nous avons temps pour nous réformer CEPA, pour mettre un CEP crédible sous pied. Et pour CEP ça, si c'est 9 membres, mais structure conseil électoral, elle est déjà là. Il faut le cas de travail. Donc, nous avons besoin de monde qui ait crédibilité, qui vienne prendre direction opération électorale là, pour que après pas gagner, parler en pile, ou non, élection pas quoi, etc. Donc, il faut que l'élection soit propre, il faut que démocratique, il faut que honnête, pour que après, nous entrions dans la période de stabilité nécessaire. Ça. Oui, il est nécessaire pour nous faire élection, mais encore une fois, il faut que nous-mêmes, nous d'accord, pour nous créer des conditions. Pas de monde qui parle de l'élection avec G9, 400 Marozo, et qui a bloqué la rue, qui a couru la police, qui j'ai un candidat pour faire campagne, qui j'ai un électeur pour faire un jour à le déposer bulletin sans que le bagon zame derrière tête. Donc, il faut que conditions ça créées pour que nous parions pour nous participer dans l'élection. Et c'est responsabilité du gouvernement, c'est responsabilité de la police pour mettre les conditions ça en place. Donc, ça veut dire que même ou pas dans la question référendum, parce que ou pas faire référence du tout à référendum constitutionnel là, qui est presque arrivé là, 27 juin prochain. Non. Écoutez, pour nous-mêmes dans l'UNIR, le pays n'a pas de problème de constitution. Le pays a un problème de monde, le pays a un problème de démocrate. Parce que la Constitution 87 là sont très bonnes constitutions. Certes, il y a des problèmes, ils peuvent toujours amender, mais les gens ça fait dans n'importe l'autre pays, les États-Unis, la France, tout côté. Constitution sont œuvres humaines liées, c'est le monde qui fait, il était fait dans le temps, je vous dis, il y a 35 ans, il a grandi, il y a 34 ans, il a grandi, il a amélioré, il a nettoyé, il a purifié. Cependant, nous avons besoin de mettre l'autre constitution là, qui va le déséquilibrer le pouvoir, qui va le bailler au président, tout pouvoir, pour le faire salver, pour ne pas avoir une poursuite judiciaire contre lui-même, pour la justice pas exister. Un système démocratie mandé pour un équilibre entre trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Pour nous-mêmes dans l'UNIR, s'il y a un démocrate au pouvoir dans le pays d'Haïti, la Constitution 87 là a qu'impé démocratie noire, qui a sous trois roches du feu comme cette cité là. Donc, le référendum ça, son référendum selon nous-mêmes qui va diviser le pays à davantage. D'ailleurs, il va constituer une distraction, un problème qui va l'empêcher de nous arriver vers l'élection, qui est capitale parce que c'est l'élection qui va être élu légitime au pouvoir d'ici fin année et d'ici commencement année 2022 pour tout le monde ça rentrer dans le poste comme ça doit les jeunes mandats populaires dans bonnes conditions. Clarence Renois, c'est ton plaisir. C'est ton plaisir de me dire avec vous, Jacqueline Belizaire. Merci beaucoup. Donc Clarence Renois, c'est leader et UNIR, qui c'est Union nationale pour intégrité et réconciliation, et ou toujours sous la voie de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Et ben moment qu'on y est arrivé que nous allons rejoindre et Jean-Robert Philippe, gan pile pression qu'on y a sous Congrès et américain et par rapport à plan que le président Biden mettait devant en parlant de plan question infrastructure avec famille. Dis-nous plus. Eh bien, bon, président Biden en bas de pression là, il a marché pressé là pour dans qui mesure capable de mettre pression et de permettre que le Congrès passe proposition mais projet de loi que le gagne pour avancer pour plus devant avec projet que le gagne surtout projet sous infrastructure avec projet li gagne tout pour créer travail particulièrement avec plan familial États-Unis. Président Joe Biden a fait des marches pour le convaincre le Congrès à voter en faveur de ce calendrier LIA. Dans le moment, la visite des pays pour faire promotion pour projet presque 4 000 milliards $. Le Congrès a commencé à faire débat sur le premier parti projet A qui c'est 2,7 000 milliards $, plan de travail américain. Doing nothing is not an option. Le président Biden a déclaré « pas faire rien, ce n'est pas une option ». Les républicains ont commencé à critiquer le projet de reconstruction massive, routes, ponts, renforcés, réseau Internet, accès à l'eau potable. Sénateur républicain John Kennedy, qui t'a préféré avec l'initiative président, dit clairement qu'il est capable d'imposer taxes, dépenser et puis régulariser le pays pour le vin riche. Bataille ça a demandé en pile attention dans le Congrès pendant mois mai. Cassie Bougat, analyste affaires législatives dans George Washington University, parle pour dire démarche sans coup projet de loi sur réforme la police, contrôle des armes à feu, loi sur immigration, toute bagarre ça d'après estimation pour mettre sous côté pour cougner là pour nous capable concentrer sur projet de loi plan famille américain avec infrastructure qui gagne en pile provision là-dedans. Président Biden lancé un défi par les parlementaires américains pour revisiter le projet de loi sur réforme la police, une proposition qu'on a déjà échoué devant le Sénat l'année passée, dans le moment où il y a une manifestation contre la mort de George Floyd. Nous devons mettre tête ensemble pour rejoindre confiance entre forces de l'ordre avec les gens qui ont protégé. En réaliser le mois prochain, dans l'occasion du premier anniversaire de la mort de George Floyd. Dans la année, les démocrates soumettent une proposition de loi sur réforme immigration qui est capable de voter en partie étant donné les défis politiques actuels là. Le président Biden déclaré depuis plus de 30 ans, les politiciens ont parlé de réforme immigration. Nous n'avons pas réglé rien, donc il est le temps pour nous prendre mesure pour résoudre. Les filabusters représentent l'obstacle principal avec toute proposition SAO. Pratique filibuster mandé 60 voix dans le Sénat pour empêcher le blocage d'une proposition de loi. Molly Reynolds, responsable gouvernance, analyste dans Booking Institution Paris, pour dire filibuster contraignent. Mais à la fin, question depuis yo capable de joindre 60 voix dans le propre parti pour changer tactique là, eh bien, il est capable de continuer avec le projet. Ces ont été à représenter plus bonne opportunité pour le président Joe Biden avec démocratie pour passer tout projet de loi gagné avant attention parlementaire tournée sous budget fonctionnement gouvernement avec élection mi-temps mandat 2022. Ou toujours sous la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC hier nous avons eu occasion présent dans une cérémonie côté que yo t'a honoré ambassade d'Haïti dans Washington t'a honoré Miss Haïti Eden Bérandouave qui est même pour représenter Haïti 16 mai qui vient là dans Miss Univers nous te font pas la velle et tande ça te dit nous n'en faire entretien. Zami la voix de l'Amérique sincèrement moi content je dis pour sur plateforme ça parce que c'est ma toute première fois et moi vraiment excitée moi jeune journaliste qui est assez émotive gentil il mettait mal à l'aise dans l'entrevue. Hein? Merci Jacqueline Belizaire, moi vraiment enjoy l'entrevue hein? Et merci tout pour attention nous prêter pour nous tendre Miss nous. Hein? Ça m'a dit nous c'est à supporter. Supporter c'est supporter Haïti. Partager photos, aller télécharger l'application Miss Univers hein? Pour nous voter pour Haïti parce que Haïti c'est moi. C'est nous, c'est pour nous toutes liés, pas qu'à faire travail pour moi. Et toujours être connecté avec la voix de l'Amérique pour nous cacher une bonne info et bonne entrevue. Comme elle a dit tout à l'heure, au plus haut sommet de l'Union haïtienne. C'est cette mission qui vous a non seulement revenir avec la couronne, mais ici le drapeau. Donc c'était l'ambassadeur Edmond Bokshi qui lui-même était t'a accueilli, qui t'a honoré Eden Bérandouave, qui c'est Miss Haïti et qui prend le pour le représenter Haïti et très prochainement dans Miss Univers et le 16 mai Capvilla dans Miami, État Floride. Et puis il y a une dernière nouvelle concernant le pays d'Haïti, juge coup d'appel dans Port-au-Prince pour qu'on capable de prendre décision sous dossier ancien député circonscription d'Elma Arnel Bélizer avec l'autre monde la police t'a arrêté avec eux. Donc, n'a gain plus de détails sur page Facebook nous sous information ça que correspondant nous Massado Vilme préparé pour nous. Mes amis, c'est là n'a pété fin dans programme. C'est ton plaisir. Comme d'habitude pour nous avec nous saluer Lionel Desmarades pour travailler et puis tout l'autre. Franklin, bon travail comme d'habitude et puis tout l'autre responsable correspondant nous dans Port-au-Prince. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi t'es content passer informé ou. Non pas monsieur Foucault, moi pralé m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. M'ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. M'pralé mais m'a quitté n'a bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.